crabe et refus mes évidences. Choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner. Pour vivre l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Demain, c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'aime rencontrer les gens, surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, évidemment, en plus, à La Réunion, il y a des sacrés paysages. Et là, j'ai pas encore eu l'occasion pour l'instant de les voir. Mais la dernière fois qu'on était venu, il y a 4 ans, on s'était pas mal baladé. J'avais été évidemment un peu dans les terres, voir vos paysages incroyables. Mais c'est vrai que moi, quand je suis loin de chez moi, ce que j'aime surtout, c'est rencontrer les gens. Et voilà, les gens ici, je les trouve accueillants, je les trouve souriants. Et puis voilà, c'est une terre. De brassage culturel, etc. Et ça me parle. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je me garde. Vous allez voir que les gens vont danser ce soir, parce que j'ai des cuivres, des batteurs, guitare électrique, clavier, un violoncelliste qui est génial. Bref, donc ça joue sur scène. Mais au-delà de la musique, évidemment qu'il y a des textes. Et ces textes-là, ouais, j'ai l'impression qu'on se comprend avec le public. Tu vois, quand je viens et que je parle peut-être de mon rapport à de mes sentiments quand je parle de mes enfants, ben je vois bien que le public, il comprend exactement de quoi je parle parce qu'ils vivent la même chose. Elle a 9 ans, pourtant elle n'a plus une vie d'enfant. Elle vit depuis des mois entre ces 4 murs blancs. Elle sait bien ce qu'elle a et elle sait bien ce qu'elle veut. Elle a perdu du poids, elle a perdu ses cheveux. Elle enchaîne les soins, les traitements, les protocoles, pendant que tous ses copains jouent dans la cour d'école. Elle donnerait tout pour les rejoindre quelques heures. Parfois elle en crie, souvent elle en pleure.